Salut, aujourd'hui on va planter les aubergines. Alors rappelez-vous, hein, bah je les ai ratées. Allez, je vous remontre. Ils sont là. Voilà, voilà. Regardez. Les escargots. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Bon, une. On en a laissé une, mais à végète, évidemment. Hein, parce qu'elle a déjà été mangée. Donc bah, ce que j'ai fait, comme je vous dis à chaque fois, et ben. Bah, aller en jardinerie, aller voir vos maraîchers, tout ça. Ben moi, j'étais voir mes copains maraîchers. Ils m'en ont donné. Donc, ils les avaient déjà plantés. Donc, ils m'en ont donné trois. Donc, j'en ai deux variétés violettes, hein, normales. Et puis, une violette, alors, ils appellent ça raillée ou je sais pas quoi. Donc, je connais pas. Apparemment, elle est moins spongieuse, apparemment. Donc, on va essayer. Donc là, ici, sous le tunnel, je vais en planter une à côté du poivron. Et puis, deux autres. Après, on va aller les planter à l'extérieur. Hein, ça va être le plus simple. Donc, je répète pour l'aubergine. Alors, il lui faut de la chaleur. Vous avez bien vu, tous ceux qui ont essayé d'en faire à la maison, il faut 25 degrés pour que ça germe. Et puis après, il faut une vingtaine de degrés constamment pour que ça puisse être gros comme ça. Donc l'aubergine, surtout nous en Normandie, comme le poivron un peu moins on va dire, mais surtout l'aubergine. Voilà, Normandie, c'est pas facile. Bon, eux, ils achètent, mes maraîchers, ils achètent déjà des plants tout faits. Mais bon voilà, moi l'année dernière j'avais essayé, donc j'en avais mis une ici, bien, et à l'extérieur contre le mur de l'atelier c'était très bien. Donc allez, on va récolter à peu près entre 10 et 15 en Normandie, beaucoup plus dans le sud bien sûr, mais on va voir si on a une bonne année, hein, ça c'est autre chose, on verra bien. Mais il faut de la chaleur et de la nourriture, nourriture, nourriture. Donc allez voir dans les matinales, hein, vous avez bien vu, je fais 14 légumes avec les aubergines aussi. Je vous montre hein, comment les arroser, comment les engraisser, comment les entretenir. Maintenant, hein, il y a les matinées qui vont bientôt arriver, comment les entretenir. Mais il faut de la nourriture. Nourriture, nourriture. Hein, c'est un arbrisseau à la fin. Hein, vous verrez que c'est dur. Hein, les tiges sont vachement dures. Donc ça fait comme du bois. Donc il faut beaucoup de nourriture pour faire du gros feuillage puis des gros fruits. Il faut de la nourriture. Donc, plutôt du potassium, des choses comme ça. Un petit peu d'azote au démarrage, mais après plutôt, hein, regardez dans vos engrais, si vous achetez ça en jardinerie, engrais spécifiques pour les fruits, légumes, fruits, vous verrez bien, hein, le premier chiffre est plus bas que les deux derniers, hein, le NPK, c'est ce qu'il faut prendre, ça c'est important. Donc après on pourra mettre du purin de consoude pour tous ceux qui ont l'habitude de faire des purins, tout ça. Mais attention, si vous êtes débutant, calmos, hein, ça sert à rien, achetez plutôt un petit engrais naturel au démarrage, puis après vous allez vous familiariser à faire vous-même vos potions magiques. Mais tranquille, tranquille, faites comme moi, suivez bien ce que je vais faire. Donc là, moi, là ils n'ont pas eu, alors ils ont eu un petit peu d'engrais au démarrage là-bas quand ils les ont, quand c'était stocké dans leur serre, tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va les planter tranquille et je vais les arroser au bout d'une semaine avec un petit peu d'urine. Et puis après, on verra ce que je vais mettre, on va voir comment c'est. On verra ce qu'on va mettre. Mon sol est bon. Est-ce que je mettrai un petit peu d'engrais, un peu plus pour fabriquer plus de fruits, tout ça. On va voir. Je leur poserai la question parce que eux, par rapport à cette variété-là, on verra ce qu'ils vont me dire. Mais c'est vrai que quand moi je les fais moi-même, je les mets dans des petits godets avec un engrais à diffusion lente. Donc comme ça, c'est beaucoup plus facile que tous les mois de remettre des engrais, remettre des trucs, tout ça. Donc moi c'est surtout parce que j'ai plein de boulot, c'est comme ça que je fais. Mais là on va suivre, hein, je vous dirai comment je vais faire. Donc là, plantation dans un sol riche, très très riche, hein, gorgé de fumier bien mûr, compost si vous voulez. Donc c'est ce qu'il y a ici, moi, sur mon sol ici, et vous verrez dans l'autre bac là-bas, parce que je vais les faire le long de l'atelier. Moi c'est ce que je mets de mes godets quand ils sont morts, hein, quand j'ai un godet qui est pas beau, tout ça, bah, je le mets ici. Donc il y a déjà de l'engrais un peu osmocote dedans. Et puis voilà, je pense que ça va suffire quand même pour cette année. Mais au démarrage, en une semaine, je mettrai un petit peu d'urine pour lui donner un petit coup de fouet. C'est ce qu'on faisait avant, ce que faisaient avant les anciens. Donner un petit coup de fouet au démarrage. Donc là je vais planter. Ici, je vais vous montrer. Et puis après on ira à l'extérieur. Et puis je planterai les deux autres à l'extérieur. Puis on verra bien, on va croiser, je pense qu'on va croiser, mais on verra bien si l'été est formidable en Normandie. Et puis ben, on suivra tous ensemble l'évolution de ces aubergines. Je vais planter aussi les poivrons après à côté, comme j'ai fait l'année dernière. Allez, on y va, c'est parti. Alors, hop, on va prendre le premier. On va se mettre là. On regarde le poivron, il est là. On va faire un trou là.
Alors c'est un peu sec. On va mettre un petit peu d'eau au fond. Voilà, ça au moins, il y aura un peu d'eau. Allez, on prend le premier là. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors on évite hein, toujours d'arroser sur le feuillage quand on peut, bien sûr. Là on arrose bien. Alors moi vous avez vu mon sol il est sec hein. Hein, c'est parce que là bah, j'avais laissé hein, j'avais pas encore paillé. Là j'ai tout paillé pour être tranquille. J'ai paillé ma courgette, j'ai paillé mon poivron. Bon à côté il y a et bien sûr c'est la petite salade. Donc là ça va être suffisant. Voilà. Et là on va remettre le paillage. Un peu. Là. Là on a mis une petite couche de paille. Là, on va en mettre plus. Pour l'instant. Voilà. Bon, puis là on va faire gaffe aux escargots. Allez, on se retrouve dehors. Alors on y va. Vous voyez comme je vous ai dit, hein, je mettais toujours les petits godets. Alors là vraiment c'est que du terroir. C'est dans un bac mais qui n'a pas de fond. Hein. Donc là, on va planter les aubergines. Voilà. Hop. Donc là, moi, j'avais serré un petit peu. Hein. Tout simplement, hop, on remet un petit peu trop bas. Tac. Tac. Et tac. Donc là, on laisse la place pour les poivrons. Donc là, il y a à peu près 40 cm, c'est bien, mais ça va partir en hauteur. Donc là, on met l'autre. Et voilà. Alors là, c'est rempli d'un très très bon terreau. Terreau avec de l'argile, des composts, fumier, tout ça. Plus l'engrais qui était dans les godets. J'espère que ça va parce qu'il y a du vent encore. Et là, je vais arroser. Dans une semaine, j'arroserai avec un petit peu d'urine. Et après, je pense que ce sera suffisant et on verra bien. Alors voilà comment on plante les aubergines, tout simplement. Donc maintenant, on verra cet été s'il fait chaud ou pas. Il faut au minimum, faut pas que ça descende en dessous de 12 degrés la nuit. Ce serait pas mal. Et puis, 20, 25. Bon, je pense que contre mon petit mur là en bois, ça va être de plus hein, quand ça tape énormément. Mais après, la vigne va monter. Donc ça va quand même alléger un petit peu les coups de soleil. Donc ça va aller. Voilà, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire chaud, mais ça va être un peu protégé, même beaucoup à la fin de saison, surtout pour les fruits, hein, quand il y a beaucoup de soleil, vous avez vu sur vos tomates, tout ça, ça fait des coups de soleil, hein, on va dire comme ça. Donc ça permet avec la vigne de protéger un petit peu, vraiment en fin de saison, des gros coups de soleil si on a un mois d'août très très chaud, parce qu'on va les récolter, hein, rêvez pas au mois d'août, on est en Normandie, ça c'est pas avant, hein, à moins qu'on ait les conditions favorables, peut-être début août, mais pas voilà au mois d'août, ça c'est clair. Moi après je vais les mettre, donc j'en mangerai un petit peu grillé comme ça si c'est encore bon, s'il fait encore beau dehors, ou sinon je les mettrai au congélateur directement, moi c'est comme ça que je fais, au congèle pour faire mes ratatouilles, mes préparations d'aubergines, de poivrons, de tomates, tout ça. Et puis vous pourrez faire des conserves si vous savez faire des conserves, vous pouvez faire plein de choses avec. Hein. Mais moi le plus simple, voilà, c'est vrai que les conserves, tout ça, c'est énormément de boulot, j'ai pas trop le temps. Donc le fait, je les mets dans des grosses boîtes en plastique, que j'ai acheté avec des clips là, on le voit partout maintenant, hein, dans tous les grands magasins ou même sur internet. Et alors soit je les coupe en gros morceaux ou en petits morceaux, en lanières ou pas, vous voyez, vous découpez en fonction des recettes que vous allez faire, et puis après je les sors à fur et à mesure. Donc si vous faites des lanières, bon, prenez un petit papier sulfurisé, faites je sais pas, sur une petite boîte comme ça, 10 lanières, vous mettez un petit papier, 10 lanières, un petit papier. Comme ça, vous n'allez pas arracher tout parce que c'est pas facile. En bloc, ça va encore. Quand on les met en bloc comme ça, bon, si vous avez une grosse caisse, vous faites plusieurs étages si vous voulez. Mais en bloc, on peut les casser comme ça, puis les faire des soupes, des ratatouilles, de ce que vous voulez. Voilà pour les petits conseils. Dites-moi, vous, comment vous plantez vos aubergines? Quelle variété vous avez mis dans vos jardins ou vous pensez mettre dans vos jardins? Parce que là, c'est le moment. Tranquille, on est au mois de mai, donc on y va tranquillement. Il n'y a pas besoin de s'exciter, c'est le mois de mai. On peut même faire ça jusqu'à fin mai, surtout dans les régions du Nord, tranquille. Et puis, quelle variété vous avez prise. Et puis, dites-moi ça. Si vous avez des petits conseils pour d'avoir des superbes aubergines, allez-y pour toute la communauté. Ça, c'est hyper important. Allez, le petit challenge. Parce que là, vous avez joué le jeu. Je vois qu'il y a des super abonnés qui me relancent, hein, qui me disent « Oui, tu vas arriver à 100 000 abonnés. »
Donc allez, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi. Alors bien sûr, abonne-toi si tu as envie de t'abonner, hein. Moi je ne force personne, mais si tu t'abonnes, continue à regarder par la suite, parce que c'est juste pour me faire plaisir, tant mieux, c'est sympa, mais YouTube lui le sait. Le problème c'est que si tu regardes une fois ma vidéo, puis après qu'il t'en propose plusieurs, puis que tu les regardes pas, ça me fait descendre. Donc c'est pas le but du jeu, moi le but du jeu, bah, c'est, vous savez maintenant c'est mon travail, hein, YouTube, c'est mon deuxième travail, la production et YouTube. Donc bah, faites-moi plaisir, je vous demande rien d'autre que simplement de cliquer sur un petit bouton, de regarder quelques vidéos, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos, mais surtout moi ça me fait super plaisir, et surtout aux débutants quand ils me disent bah grâce à toi j'ai réussi de récolter même que 2 carottes, 2 tomates, et ben ça me fait super plaisir. Allez, merci, à la prochaine vidéo et passez une excellente journée. Salut, merci.